Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. La Super League turque qu'on retrouve tout de suite avec une rencontre passionnante. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Et c'est parti dans ce match. Allez, voilà, dépossédé du ballon. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Oui, le tir facile pour le gardien. Un ballon intercepté, bonne intervention. Antabiali. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Intervention du gardien. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. L'occasion de prendre l'avantage. Et le but. Quelques minutes de jeu. Et déjà, les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. On le revoit et c'est le but typique d'avant-centre. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Aucune chance pour le gardien à cette distance. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. L'arbitre désigne l'endroit de la faute mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune.
c'est bien frappé vers la surface. Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. C'est joué court. Il dépose l'adversaire là. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. C'est contré. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Magnifique ce contre. Ah non, et cette volée manque la cible. L'idée était bonne, mais pour une reprise des volées, la coordination du corps, l'équilibre doit être parfait. Sinon, voilà ce qui arrive. Ah non, quelle boulette sur cette passe. Ballon pour égaliser. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Ouais, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Ouais, le ballon est bien intercepté. L'équipe a beau ne pas jouer devant son public, elle monopolise le ballon depuis un petit moment. L'enjeu maintenant, c'est de maintenir son niveau d'intensité et de domination. L'égalisation serait logique. Et peut-être une nouvelle occasion là. Voilà, tranquille, aucun danger, ballon facile. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Ouais, bien joué, le bon mouvement là. Oh, la frappe. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Ah non, c'est contré. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Attention à cette bonne passe. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Antalyali. Antalyali. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah là là, personne pour couper ce bon centre.
Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ah, le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Antaliali. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Il a des options qui s'offrent à lui. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Antaliali. Eh oui, le bon réflexe. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, et dans les tribunes, on attend un tir. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Antaliali. Et voilà, un ballon bien intercepté. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Le ballon circule bien. Et non, ballon perdu. Oh,
Oui, le ballon est intercepté. Passe coupée au bon moment, bien joué. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Taliali. Et belle passe en profondeur. Oh, elle est contrée cette frappe. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Et pourquoi pas, oui, le ballon vers le point de pénalty. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, le contre est terminé, mais le ballon n'est pas perdu, lui. Voilà, une bonne défense. Super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Et pourquoi pas un tir ? Oui, c'est contré, bonne défense. Et encore une frappe contrée. L'action se poursuit. Sans problème dans les bras du gardien. Elle la passe en profondeur, attention. Oh, la bonne défense, mais il y a toujours danger. C'est un ballon capté sans difficulté. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Le danger dans la profondeur. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Le panneau indique encore 2 petites minutes d'arrêt de jeu minimum. Et ça y est, on va donc en rester là dans ce match et ça se termine avec une victoire à domicile. Oui, très bon match. Leurs 2 buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine.